des amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Potion à l'huile maison pour arrêter la chute des cheveux et faire pousser les cheveux très vite. La perte de cheveux, le grisonnement impulsif et la calvitie sont devenus fréquents chez les femmes de tout âge. Ces problèmes sont dus à de nombreux facteurs tels que le déséquilibre nutritionnel et la pollution. Les remèdes disponibles sur les marchés ne produisent pas de bien à long terme, alors voici quelques huiles naturelles faites maison pour tous les problèmes de cheveux. Une fois que vos cheveux sont abîmés, il est difficile d'inverser la situation. Cependant, cette potion d'huile s'est avérée très efficace contre ces problèmes. La potion peut être préparée simplement à la maison en utilisant 3 ingrédients simples directement à la maison et elle fera des merveilles pour vos brins affaiblis. Huile pour cheveux. Ingrédients. Huile d'amande, 7 cuillères à soupe. Huile de ricin, 130 ml. Huile de sésame, 4 cuillères à soupe. Instructions. Combinez les huiles en quantité donnée dans un récipient. Secouez bien le pot pour que les huiles soient mélangées et infusées. Maintenant, appliquez ce mélange sur votre cuir chevelu et vos cheveux, étalez-le avec vos doigts ou un peigne. Massez votre cuir chevelu pendant 5 minutes. Assurez-vous de couvrir vos mèches de cheveux de la racine aux pointes avec la potion. Maintenant, laissez la potion reposer pendant 2 heures puis rincez-la à l'eau froide. Vous pouvez nettoyer vos cheveux en faisant une séance de shampoing régulière. Ne sautez aucun ingrédient. Il n'y a que 3 et tous les 3 sont cruciaux, alors assurez-vous que vous avez les bonnes quantités de ces 3 huiles pour vraiment créer un masque capillaire inégalable. Les 3 huiles utilisées dans ce masque capillaire ont été choisies pour cette recette pour des raisons spécifiques, chacun apporte une touche spéciale dont vos cheveux ont désespérément besoin. Appliquez-le sur votre cuir chevelu pendant une semaine et obtenez une croissance soyeuse des cheveux longs en seulement une semaine. Nous voulons avoir des cheveux longs et brillants, mais ne sommes pas en mesure d'atteindre leur objectif en raison de la perte de cheveux ou d'une croissance retardée des cheveux. Si vos cheveux ne poussent pas rapidement après une coupe, le seul moyen de les allonger est d'obtenir des extensions de cheveux. Continuez à lire ci-dessous pour apprendre à faire pousser vos cheveux plus rapidement. Étonnamment, le meilleur remède contre la croissance des cheveux est la pomme de terre. Ils ont une capacité à accélérer la croissance des cheveux naturellement et sans effet secondaire en seulement une semaine. Vous devez laver 5 à 6 pommes de terre de taille moyenne et les éplucher, puis les mélanger dans un mélangeur. Une fois que vous avez obtenu la purée épaisse, ajoutez un peu d'eau si nécessaire et filtrez la purée avec un chiffon de mousseline dans un bol pour séparer le jus des restes. C'est l'extrait de pommes de terre que vous devez utiliser pour la croissance des cheveux. Appliquez le mélange sur vos cheveux et massez doucement sur votre cuir chevelu, puis appliquez le reste sur les extrémités de vos cheveux. Ensuite, couvrez-vous la tête avec un bonnet de douche et laissez agir le remède pendant 20 à 25 minutes avant de le rincer à l'eau. Répétez le processus chaque semaine et vos cheveux vont pousser comme des fous. En plus d'améliorer la croissance de vos cheveux, le remède pour pommes de terre donnera une brillance éclatante à vos cheveux et leur donnera une odeur de fraîcheur. Toutes les femmes de ce village ont de superbes cheveux longs. Découvrez le secret, leur secret. Nous voyons souvent une femme avec de longs poils extraordinaires. En tant que femme, nous espérons toutes avoir des cheveux aussi longs et en bonne santé. Mais il arrive dans un village où chaque femme a de très longs cheveux et n'éprouve jamais de problème comme la chute des cheveux ou les cheveux gris. C'est un petit village en Chine appelé village de Huangluo. Les dames de ce village ont des cheveux de plus d'un mètre en moyenne. C'est parce qu'ils utilisent un remède secret. Le secret de leurs longs cheveux noirs est un remède chinois ancestral. Aujourd'hui, je partage cette recette avec vous ici. Prenez juste une tasse de riz, lavez-la à l'eau claire. Maintenant, prenez le riz dans un bol et ajoutez-y 3 tasses d'eau. Laissez-le pendant 20 à 30 minutes. Maintenant, filtrez le riz de l'eau et prenez cette eau dans une bouteille. Fermez le bouchon de la bouteille et laissez-la au soleil à la température ambiante toute la journée. Cela permettra aux extraits de riz dans l'eau de fermenter et de croître.
Ne pas ouvrir la bouteille pendant 24 heures. Le lendemain, ouvrez la bouteille et prenez l'eau dans une casserole. Mettez la casserole sur une cuisinière et faites bouillir l'eau pendant 5 minutes. Obtenez des cheveux longs, brillants et lisses avec de l'eau de riz fermentée, croissance super rapide des cheveux, résultat 100%. Dans cet article, nous allons partager un secret de croissance extrême des cheveux avec de l'eau de riz fermentée. L'eau de riz a des avantages étonnants pour les cheveux. L'eau de riz contient de l'inositol, un glucide, qui peut également réparer les cheveux abîmés. Pour préparer cette eau de riz fermentée, vous aurez besoin d'une tasse de riz nature. Tout d'abord, prenez le riz dans un bol. Lavez-les pour éliminer les impuretés et les particules de poussière. Maintenant, dans ce riz, ajoutez 4 tasses d'eau. Laissez-le pendant 20 minutes. Après 20 minutes de purée de riz avec les doigts, filtrez cette eau. Stockez cette eau dans une bouteille. Couvrez cette bouteille et laissez-la pendant 24 heures. Après 24 heures, mettez cette eau au réfrigérateur pendant 15 minutes. Maintenant notre eau de riz est prête à l'emploi. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix. Comment utiliser? Avant l'heure du bain, lavez vos cheveux avec de l'eau de riz, massez pendant 5 minutes puis laissez-les pendant 30 minutes. Après 30 minutes, lavez vos cheveux à l'eau claire. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.